reconnaître. Alors c'est une chanson qui a été chantée dans les années 50 par notre ami Fernand Sardou, qui a été reprise dans les années 70 par son fils Michel Sardou. Voilà, donc je vais la chanter un petit peu à la façon de Michel Sardou. J'essaie de le faire, je ne suis pas très bon, mais il y a un truc qui est très difficile à faire quand on fait Sardou, c'est que quand la chanson attaque, il est triste, et quand il relève la tête, il est encore plus triste. Alors moi j'ai fait le conservatoire, on m'a appris à être joyeux, la peur, tout ça, mais triste et encore plus triste, c'était pas pour moi. Donc je fais de mon mieux. Devant ma maison, il y a une peine terrible. Juste deux secondes, c'est que dans le 33 tours que j'ai de Sardou 74 à l'Olympia, après peine terrible, les gens ils reconnaissent sa chanson, ils applaudissent. Ça fait une émotion. Mais bon, on n'est pas obligé, on n'est pas à l'Olympia, je suis pas Michel Sardou. Donc, ouais. J'ai dit après peine terrible. Après peine terrible. Après peine terrible, 3, 4. Allez, on recommence. Attends, je suis pas prêt. Attends, laisse-moi venir triste. Comment ça me gonfle, moi. Devant ma maison. Il y a un peu terrible. Parce que je vous ai pas dit, l'émotion a duré 3 quarts d'heure. Hein. Dans la grosse branche, je pourrais bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible. Cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme et je la couperai après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, eh bien je demanderai à mon ami Daniel qui la coupera aussi bien lui-même. T'as les outils, t'as la retraite, t'es tranquille. Ce n'est pas que l'on soit fainéant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. J'ai des lapins superbes. Les gars, arrêtez de faire le lapin dès que vous attendez le lapin de faire le lapin, c'est nul. On l'a dit, elle répète, ne faites pas les bouts des animaux, c'est énervant. Mais ils ont toujours envie de manger. Si tu bouges, je te décale. Il me faut toujours leur couper de l'herbe. Et je devrais bien leur en ramasser. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain, ce sacré lapin me donne la flemme et je ramasserai. Et si je ne peux pas ramasser moi-même, eh bien alors je lâcherai tous mes beaux lapins qui ramasseront aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas que l'on soit fainéant par ici, mais la terre est basse dans notre midi. Le soir de mes noces, que Thérèse elle s'est trouvée tout déshabillée en voyant frémir son beau corps de braise. Je me suis pensé, terre. Parlez le terre. Pour ceux qui viennent de Paris ou d'ailleurs au-dessus d'Avignon, le terre, ici à Toulon, on parle à terre. Tu peux croiser un type, il va te parler toute la journée sans dire un mot, tu vas tout comprendre. Par exemple, le type vient voir Marseille qui joue au Stade Vélodrome, Marseille gagne, bon, c'est un sketch. Alors, le type il sort, il est content, il fait Ata!
Il a pas dit un mot, t'as compris que Marseille a gagné et que Balbuena l'avait bien joué. Balbuena, hein. Sarkozy, Balbuena, Sarkozy, Pascal Arthos. Mais le hate, ça marche en négatif aussi, hein. C'est que si Marseille a perdu, c'est pareil, le type il est pas content, il parle à hate. Il a pas dit un mot, t'as compris que Marseille est perdu, que Balbuena il peut remplacer Passepartout à Fort Boyard, il veut plus le voir Marseille. Le hate. Souvent il faut se toucher un petit coup, je suis désolé, mais c'est. La Seine. La Seine. La Seine, ouais, parce que on dit pas la Seine. L'autre fois, j'ai croisé un Parisien, il me dit, ouais, je vais en vacances à la Seine. J'ai dit, la Seine, pour moi, c'est une rivière toute marron. On dit pas la Seine, on dit la Seine. Et on rajoute un petit art saturé au bout, la Seine. C'est populaire, la Seine, c'est pas comme Sanary. Il y a Sanary, Carquerane, la Seine. Tout ça, c'est des trucs saturés à la fin, vous voyez. C'est saturé, ça finit par « Ah, c'est Jean Duvard !» On peut finir par « Ah !» Je me suis 27. Je vais l'embrasser. Peut-être. Ou alors demain. Moi, les émotions ça me rend tout blême et je l'embrasserai après-demain. Et si je ne peux pas l'embrasser moi-même, et puis ça m'a pris au petit matin. On est déchaînés chez nous quand on aime. Et 2 mois après, j'avais 3 petits. Car nous sommes les rois dans notre midi. Bonsoir, je m'appelle Marianne, j'ai 22 ans, je suis une cagole. Vous connaissez les cagoles? À Paris, ils appellent ça les bimbos. Ils sont cons, c'est parisien. Bimbo, c'est le nom d'un éléphant qui vole. Moi, je suis une cagole, et pour être une cagole, il faut avoir une tenue de cagole. T-shirt de cagole bien moulant. La veste pour cacher les fesses, parce que les filles qui ont des petits culs sympas, on n'en a pas besoin. Par contre, il y en a d'autres, devront en mettre deux. La veste pour cacher les fesses. Le plus important pour être de vraies petites cagoles, il faut avoir un corps parfait. Alors attention, pour avoir un corps parfait, c'est pas compliqué, il faut s'entretenir. Moi, je m'entretiens toute seule parce que j'ai personne pour m'entretenir. Je fais beaucoup de gym. Je fais de l'aquagym, de l'aquastretching, de l'aquabonding, l'hiver, un peu d'aquaplanning. Attention, j'ai un corps parfait, mais aussi dans la tête. Hein. J'ai fait des études, j'ai même servi coiffure et peine d'autrefois. Parce que je voulais faire coiffeuse boulangère, mais comme j'ai pas réussi, je suis devenue caissière à Carouf. Vous connaissez Carouf? Carrefour Mayol. Carrefour à la mer, Carouf. Chez la caisse 14. C'est le tabouret qui tourne. Ah, même que le directeur, il veut que je devienne chef de rayon. J'ai dit, oh, monsieur, pour devenir chef de rayon, il faut passer le concours, il n'y a pas marqué Liechtenstein ici. Hein. J'ai d'autres projets que j'ai dit. Moi d'abord, je voudrais devenir chanteuse. Parce que je chante tout le temps, même sous la douche. Et bien, c'est pas facile parce qu'une fois que j'ai avalé de l'eau, j'ai failli me noyer. Moi, je voudrais devenir chanteuse pour rencontrer l'homme de
et fondre une famille. Mais pour le rencontrer, l'homme de sa vie, afin de chercher à tortiller du cul à 14h, il n'y a qu'un endroit où c'est possible de le rencontrer, l'homme de sa vie. C'est à Cagoland, la boîte à cagole. J'adore Cagoland. Le Prosper, vous connaissez le Prosper? À Cagoland, il y a des crânes de glace. Je me mets devant et je fais la belle comme ça. Avec la bouche. Des fois, tellement je fais la belle, et les mecs, ils arrivent, ils se mettent autour de moi comme des mouches. C'est l'honneur. Moi, je les calcule pas, je danse. Eux, ils s'approchent, je les calcule toujours pas. Ils se rapprochent, je dis toujours rien. Et quand ils sont bien, bien prêts, je sais pas qu'est-ce qui me prend. Je les fixe dans les yeux. Je les excite, je les excite. Et quand ils sont bien, bien excités, hop, je me casse. J'adore faire ça, mais c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi, c'est dans mes gènes. Je suis, comment on dit, je suis... Salope. Voilà, c'est salope. Je sais pas, j'ai joué star, il m'a poussé dans la pièce. Yaouf! 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 Allez, avancez, madame, c'est ouvert la caisse, avancez, madame! Madame, le 14 il est allumé, ça veut dire que c'est ouvert la caisse, madame! Madame, avancez, madame! Oh la vieille, tu te manges! Avance, avance, donne-moi. Gonfle. Je démarre. Cassé d'ici. Ah ben il n'y a pas le code à celui-là, madame, on le pose. Vous tenez absolument à le prendre, sinon vous faites un scandale. Mais vous allez le prendre, madame, dans la tronche, mais vous allez le prendre. Alors Roger, 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 il faut m'aider, m'aider, m'aider. Roger, 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 il faut m'aider, m'aider, m'aider. Ici caissière pour l'air, ici caissière pour l'air. Ici petite fenêtre, cherche des taroulettes. C'est plus de bonne. Ici petite fenêtre, cherche des taroulettes. Ici petite fenêtre, cherche des taroulettes. Qui se fait sauter par le vigile dans la réserve du magasin, qu'il y a des gaines dimanche matin. Oui. Couru ma puce, ouais. Dis-moi, je suis avec une vieille, une cliente, elle me gonfle. Oh, t'es sorti hier ou t'es allé? Quoi? T'es allé voir le groupe Aioli? Je l'adore, le groupe Aioli, mon préféré, c'est le chanteur. Il est trop beau, puis il a bien maigri, hein. Oui, il a bien maigri. Lequel tu préfères, toi? Celui-là qui a le chapeau blanc. Il fait 1m12. Non, je dis, il est pas mal, je dis, heureusement qu'il fait de la télé. Ah, il fait de la télé, oui. Mais tu regardes, hein. Ben oui, dans Fort Boyard, celui qui a les clips, exactement. Bon, allez, je te laisse, ma chérie. Allez, à Cagoland, à ce soir, ma chérie. Ciao, ciao, ciao. Bon, madame, avancez, madame. Souvent.